Ils s'étaient donné rendez-vous devant la bien nommée Maison du Peuple. Ils s'y sont retrouvés en très grand nombre en début d'après-midi. Au milieu des syndicalistes, des quelques centaines de gilets jaunes et des élus, les salariés menacés et leurs familles. Mon conjoint est concerné par le plan social, donc voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'on vient manifester pour exprimer notre mécontentement. On doit mener des actions pour faire bouger les choses et peut-être réagir M. Macron, qui était là le jour de la vente d'Alstom à General Electric. Ça va peut-être l'obliger à agir, de voir qu'il y a du soutien derrière tous les employés de General Electric. Donc on y va, de toute façon on n'a plus rien à perdre. Hein. Le départ de la manifestation est un peu chaotique. Les G devaient être en tête de cortège, mais la place est très convoitée. Finalement, c'est avec une bonne demi-heure de retard sur l'horaire prévu que le cortège prend la direction de la préfecture, lentement, chacun sous sa bannière, mais tous unis pour une même cause. Chez G, oui, après, c'est dans ma branche, je ne suis pas spécialement touché, mais des collègues sont touchés. On se sent soutenu, quoi. On n'est pas tout seul, ça qui fait plaisir. Et on va continuer à se battre. Hein. Il y a moyen, vous pensez ? On espère avec les syndicats, ils essaient de nous rassurer, on espère. Certains disent n'avoir jamais vu autant de monde dans les rues de Belfort, mais restent lucides. Tout fout le camp de tous les côtés. Là, c'est vraiment la région qui est en difficulté, qui est menacée. Les salariés en premier, bien évidemment, mais c'est trop, quoi. Comme annoncé, les commerçants, le temps de la manifestation, ont baissé leur rideau en signe de solidarité. Cet après-midi, c'est bien toute une ville qui est venue soutenir ses salariés menacés, défendre son économie, son avenir.